Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une petite guidance rapide, j'avais envie. Alors, on va commencer avec l'oracle sacré et puis on va voir quelle est la tendance aujourd'hui avec les différentes figures géomantiques. Alors, l'oracle sacré, tu peux encore le précommander jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Après, j'arrête les précommandes pour pouvoir lancer l'impression. Donc, si tu souhaites te le procurer, c'est maintenant. Après, je ne sais pas quand est-ce que je rouvrirai les précommandes. Voilà. Allez, on est parti. Pour te le procurer, tu vas sur sacré-féminin.com, tu cliques Oracle Sacré dans le menu, ou tu as le lien sous la vidéo ou dans mon profil. C'est plus difficile avec le paquet est plus petit. Eh ben, on est bien sur le mois de septembre. Alors là, moi, ça me parle qu'il y a des choses qui vont tomber dans le sens laisser aller. Voilà, laisse aller ce qui n'est plus, laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. On va prendre une autre. Je pense qu'il y a un changement là qui arrive. Ah, ben, celle-là. Ok. Et ouais. C'est le chemin, c'est la voie à suivre, le chemin. Il y a quelque chose en fait qui t'impulse à suivre ta voie, hein, la voie de ton âme depuis cet été, tu vois, depuis le mois de juillet, jusqu'à la fin de cette année. C'est vraiment ça, c'est-à-dire laisse aller l'ancien en fait. Hein. Tu vois, Amicio, c'est ça, c'est laisse aller l'ancien. Voilà. Et suis ton chemin, suis ta voie. Eh bien, hop, je vais mettre de côté les figures géomantiques. Toi, c'est deux jeux en un. Les figures géomantiques et le jeu en lui-même. Ah bah, ok. Là, il est question de se reconnecter à son enfant intérieur, justement, et de regarder devant. Ça nous parle de nouvelles générations aussi, hein? Tu vois que les nuages là ils s'éloignent et tu as le soleil là qui se présente. C'est-à-dire que le soleil est à venir pour demain. Tu vois, il est question du futur ici au centre. Et ça nous parle d'enfants, de nouvelles générations. Là, aujourd'hui, la guidance elle nous parle de demain, de se projeter avec joie. L'enfance c'est la joie aussi, hein. C'est la pureté de l'enfance, la joie vers l'avenir. Devant, malgré les apparences. Parce qu'on voit bien que les apparences, elles sont là-dedans. Elles sont avec Amicio, la perte. Hein. Voilà, tu verras que, tu vois, on est bien au mois de septembre. J'ai voulu mettre des petites notions de temps. Tu vois, que ce soit les figures géomantiques, des petites notions de temps cachées dans certaines cartes, hein, passé, présent, futur. Et bien sûr, avec les différentes saisons. Ouais, alors il est beaucoup question d'enfants, de nouvelles générations. Il y a de. Voilà. Ah bah, y a encore cette notion de grossesse gestation qu'on a eue dans la dernière guidance que j'ai faite. Donc il y a ouais, une gestation en fait. Si on fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est sur 6 mois. Janvier, février, mars. Donc jusqu'au printemps prochain, il y a une gestation qui se passe pour de nouveaux projets, pour. Un changement de vie pour de nouvelles unions et pourquoi pas pour une grossesse. En fait, c'est la vie. Quand tu vois les enfants ici et la grossesse, ici, la gestation. Gestation, c'est une période de 9 mois. Eh bien, c'est le vivant. On t'impose vraiment à regarder le vivant. Ici, c'est la pierre de lune. J'ai mis des petites pierres. C'est la pierre de lune ici sur la grossesse. Elle est vraiment très apaisante et c'est une pierre qui est très très bien pour les femmes enceintes. Voilà. Là, il y a quelque chose à venir qui peut être très très intéressant. Ouais. Et aussi, ça me fait penser aux nouveaux enfants qui apportent la lumière. Hein, aux nouvelles âmes qui s'incarnent et qui apportent la lumière.
En fait, là, la guidance, l'oracle sacré, il te dit de regarder, de te tourner vers la lumière. Il est beaucoup question de lumière, hein. Dans ma dernière guidance, justement, on te disait de rayonner, de faire surgir ta lumière, que le monde a besoin de ta lumière. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des petites âmes qui s'incarnent et qui apportent cette lumière-là. Et donc, toi, ne vois pas le futur en noir. Voilà, tourne-toi maintenant vers ce que tu veux pour toi demain et pour tes enfants, ou tes petits-enfants, ou des enfants que tu peut-être que tu dont tu t'occupes parce que tu es professeur des écoles, ou professeur, ou éducatrice jeunes enfants, assistante maternelle, éducateur sportif. Voilà. Eh bien, ici, c'est retrouve la joie. La joie, le naturel et le vivant qu'a l'enfant pour créer le futur, ton futur de demain. Donc voilà, c'est pour ne brasse pas du noir, on n'en a pas. Il y a la lumière et la lumière, c'est le chemin vers la lumière aussi. Mais pour ça, il va falloir se séparer de certaines choses, situations, voire personnes, laisser le passé derrière, se libérer, en fait, laisser mourir ce qui doit mourir. Ne pas s'y accrocher en fait. Laisser aller ce qui doit aller. Voilà. Hop, je le mets là. J'avais envie de prendre le tarot ésotérique du monde des fées, que je prends très rarement. Hop. Alors. Ah, je n'ai pas enlevé les prières qui sont dedans, mais si elles se présentent, ça n'est pas un hasard. Alors voilà, je te montre la carte et je vais te la lire. Fée brillante et sage-fée des étangs, des bois et des jardins, vous qui répandez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidée vers le chemin qui mène à mon destin. Voilà le destin, via la voie, le destin, le chemin de ton âme. Tu peux faire pause. Voilà, j'ai laissé la prière dedans, il y en a deux, je crois, on va voir si l'autre sort. Allez. Hop, là j'en ai. Il y a ces deux-là qui veulent venir. Alors. Ah, on a le prêtre. Le prêtre. Et le chariot. Regarde comme elles sont magnifiques. T'as vu? Tiens, on va mettre le normand derrière. Je vais peut-être pouvoir réussir à te les poser comme ça. Hop. Pour que tu puisses. Non. Ça marche pas. Allez, on pose ici. Ah, ça c'est embêtant parce que voilà, on va faire comme ça. Hop. Alors j'aime beaucoup ce jeu parce que bah, il nous amène ici à beaucoup de profondeur, mais aussi à notre imaginaire. À ce moment, j'avais envie d'imaginaire de légèreté avec retrouver aussi une âme d'enfant. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'avais envie aussi de lumière. Vraiment. Je crois que la lumière se fait de plus en plus présente aujourd'hui. Voilà, dans la vie de chacun. Après, faut-il la laisser entrer? Et justement, c'est à travers les brèches que nous avons que la lumière peut passer. Ici, il est question, le prêtre, justement, il y a quelque chose de très profond, c'est de se consacrer justement à l'étude de grandes vérités. Hein, et cette grande vérité, tu peux la voir, pardon, je te la mets là, tu peux la voir au fond de toi, cette grande vérité-là. Donc il est temps, en fait, peut-être d'aller vers des questions un peu plus profondes, philosophiques et spirituelles, mais qui peuvent te ramener à l'intérieur de toi et trouver ta vérité à l'intérieur. Et des choses peut-être que tu connais déjà, dont tu as déjà connaissance, en fait. Hein. Et puis, bah, justement, on te dit, avec le chariot, très clairement, eh bien de prendre les commandes ici. Hein, il est question de prendre les commandes. Voilà. Et là, en fait, c'est en ce moment, il y a des personnes qui s'éveillent, en fait. Hein. Voilà, qui ont plus de lucidité, qui voient clair. Tu vois, regarde. C'est comme s'il avait une jolie. Il y a une pierre ici, une autre pierre ici, comme un cristal, tu vois, qui amène la clarté. La clarté, la vérité. Et là, eh bien, ce qu'il y a à travailler, à développer, à aller voir, c'est prendre les commandes, les rênes de sa vie, regarde. Prends les rênes de ta vie, conduis ton chariot. Il y a un changement, il y a quelque chose là qui va, ouais, qui arrive.
avec le soleil. Ah non, le soleil s'est décalé, je vais peut-être fermer. Et là, nous avons le 10 de pentacle. Je te laisse regarder. Voilà, donc tu peux voir beaucoup de pentacles. Regarde comme les illustrations, elles sont vraiment... elles sont riches, pardon. Que j'arrête de bouger. Et bien ici, les questions de prospérité. La prospérité, elle est... Donc, faut pas avoir peur, en fait. Hein, mais ça, ce sont les forces majeures. Les forces majeures, c'est ce qui arrive. C'est ce qui vient, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui vient. C'est ce qui est... Oups, alors j'en ai une qui veut se présenter. C'est celle-là. Et c'est le valet de bâton. Voilà. Donc, ici... le valet de bâton, regarde, ici on a la prospérité et le valet. Bah, le valet, c'est toujours une figure masculine et une jeune figure une jeune figure masculine, hein, le valet. Donc là, c'est un message qui peut concerner ta carrière, un projet, je parlais de projet tout à l'heure, sur lequel tu travailles ou quelque chose. On parlait d'études, de vérité aussi avec le prêtre qui est ici, voilà. Et bien avec le valet de bâton, il est question de ça. Il est question de travailler sur quelque chose, un projet, une formation, des études. Là, c'est quelqu'un qui s'est bien préparé pour relever des défis ou relever un défi. Hein. Il y a cette notion beaucoup d'études, d'observation. En fait, il est prêt. Donc, on te dit d'être prête ou d'être prêt. Hein, et tu réussiras. On te dit de visualiser exactement ce que tu souhaites réaliser, ce que tu veux en fait. Voilà. Et ressens-le, parce que sans le ressenti, il ne se passe pas grand-chose. Voilà ce que te dit en fait le valet de bâton. Donc, avant de passer à l'action, c'est vraiment se préparer, en fait. Se préparer, étudier, analyser et ressentir si c'est la voie pour toi ou pas. Je tout fais bouger. Voilà. Comme ça, à ce moment-là, eh bien, il n'y aura pas de souci. Alors, il ne faut pas aller vers la perfection, vouloir la perfection. Parce que cela peut t'empêcher de passer à l'action et de prendre des risques aussi. Voilà. Et on va prendre une dernière carte en conclusion, en synthèse, avec le grand jeu de Mademoiselle de Normandie. Désolée pour la luminosité, mais c'est en plein soleil. Ben oui. Donc, c'est encore une question de projet, d'y aller étape par étape, d'avancer petit à petit, étape par étape, comme la montagne, tu grimpes la montagne, tu vas au sommet, fais preuve d'audace, utilise tes dons, ton charisme, bien préparé, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera bien, faut y aller. On est en Capricorne ici, fin décembre, mois de janvier, donc poursuis tes rêves, continue, fais-le discrètement aussi, tu vois, il se cache le dieu Pan, il s'est transformé en Capricorne, il se cache, voilà. Prends tes renseignements, monte ton projet, fais-le discrètement et parle-en uniquement aux personnes en qui tu as confiance et qui peuvent te soutenir et t'aider face aux obstacles que tu peux rencontrer pour la réalisation de ce projet. Mais on voit que tu vas y arriver, que ce soit ce projet ou simplement ta vie, hein, ton chemin de vie. Hein, et on voit que tu t'éloignes de ce qui est toxique, néfaste, et que là, il y a de nouvelles possibilités en amour aussi avec le vide de cœur. Il y a vraiment de nouvelles possibilités. Ça, c'est assez intéressant parce que, si tu veux, si je relis le 8 de cœur, les cœurs, on peut les relier aux coupes, hein, en fait. Ouais, je ne sais pas si tu sais ça. Tu peux relier le cœur aux coupes et il y a une notion de quête, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Et la quête, on l'a là. Hein. Voilà, c'est partir, faire preuve d'audace, y aller. Et c'est la quête de quelque chose de meilleur pour toi, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel. Voilà, en tout cas, on parle de projet, quel que soit le domaine, et bien préparé, et bien ce projet-là fonctionnera, il est question d'études, mais attention, si tu cherches la perfection, il ne faudrait pas que si tu es perfectionniste, que ça t'empêche de passer à l'action, et voilà, ne procrastine pas. Voilà pour aujourd'hui, c'était une petite guidance. Merci à toi.